Donc nous avons vu tous ces éléments qui sont là. Nous avons vu ce que c'était une unité centrale ou une tour qui est là. Nous avons vu aussi ce que c'est un écran d'ordinateur, un moniteur, on peut l'appeler aussi. Grâce à elle, on peut voir des images qu'on a sur l'ordinateur. Des haut-parleurs ou des enceintes. Ça permet d'émettre du son ou du bruit de l'ordinateur. Un micro, ce qui permet de communiquer avec des gens sur Internet. Un clavier. Grâce à elle, on peut écrire sur l'ordinateur. Une souris. Grâce à elle, on peut choisir différentes actions à effectuer. C'est avec ça que je vous montre, par exemple, la souris. Un scanner. Grâce à lui, on peut informatiser des documents papier. Et une imprimante. Grâce à elle, on peut imprimer sur papier ce que l'on voit sur notre écran. Voilà. J'espère que vous savez maintenant ce que c'est un ordinateur. Je vous dis donc à bientôt.